Bonjour. Hier, présentation de la politique de gestion des déchets de Metz Métropole. Metz Métropole assure la gestion globale des déchets des 44 communes qui la composent, soit environ 230 000 habitants. Elle s'appuie principalement sur deux acteurs pour exercer cette compétence, sa régie directe de collecte et sa régie personnalisée à Ganis. Depuis début 2013, la collecte des déchets vit un grand boom en avant. Sous la pulsion de Metz Métropole, 4 communes volontaires, soit près de 55 000 habitants, se sont engagées dans la conteneurisation des déchets. Jean-Luc Boll, président de Metz Métropole, maire de Montigny-lès-Metz. Là aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a plus de 50 000 foyers qui sont couverts. Donc c'est un certain nombre de quartiers de Metz, la ville de Montigny-lès-Metz, Saint-Privat et Voipy. Et donc, le bilan plutôt satisfaisant parce que, vous savez, c'est pas une affaire facile à mettre en œuvre, compte tenu notamment de la diversité de l'habitat, des quartiers. Et donc, il faut faire de l'adaptation continue, être en lien aussi avec les gens, parce que la concertation, c'est extrêmement important dans le cadre de la mise en œuvre de tout cela, puisqu'à terme, il s'agit évidemment de réduire la somme de déchets que nous produisons tous les jours. Je crois que à 90%, même voire plus, les gens sont satisfaits. Nous avons fait de l'adaptabilité, une règle de vie, si je puis dire, dans l'évolution de cette conteneurisation, la mécanisation. Aujourd'hui, la ville, elle est plus propre, elle est plus saine. Il n'y a plus de sacs poubelles éventrés comme autrefois, sortis à n'importe quel moment du jour, de la nuit ou du week-end. Donc, il y a toujours parfois des contrevenants, mais on essaye d'être vraiment très attentif à la propreté autour des points de regroupement des bacs dans les rues et puis aussi des points d'apport volontaires. Et puis les gens jouent le jeu, donc je les en remercie. C'est basé à la fois sur le volontariat et aussi donc sur les capacités qu'auront nos équipes de pouvoir se coller à la réalité du terrain. Donc vous savez, des quartiers par exemple comme on évoquait tout à l'heure, Outre-Seil à Metz, ça prendra du temps parce que ce sont des habitats anciens et aussi parfois de personnes qu'il faut convaincre et auxquelles il faut expliquer pourquoi est-ce qu'on a une poubelle jaune, une poubelle noire, etc. Donc vous voyez, il y a vraiment un travail de contact qui est très important, donc on mettra le temps pour le faire. Donc, on réorganise tout ça sous la houlette du vice-président chargé des déchets, donc François Henrion. Vous êtes fixé des objectifs de coût ? Nous, notre objectif, c'est que ça nous coûte le moins cher possible et qu'il faille aujourd'hui baisser le coût de la collecte et aussi du traitement. Mais les choses ne sont pas sûres, puisque évidemment, il faut prendre le temps de le faire. Outre d'évidents progrès en matière de salubrité publique, un gain en termes d'hygiène et d'esthétique, la conteneurisation règle les problèmes d'entreposage des ordures en attendant le passage de la collecte. Ainsi, il est possible de stocker des déchets plus longtemps et par conséquent d'optimiser les tournées de collecte en contribuant à la diminution de la consommation de carburant et des rejets de CO2 dans l'atmosphère, sans compter l'amélioration de la sécurité et des conditions de travail des agents de collecte de Metz Métropole. Une conteneurisation qui, hélas, n'aboutira pas avant 2016 pour l'ensemble des communes de Metz Métropole. C'est aussi, comme nous l'indique François Henrion, vice-président en charge de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets, maire d'Ony, le principe de pollueur-payeur, plus particulièrement pour les grosses administrations qui, jusqu'à présent, n'étaient pas taxées. Premier point, c'est la conteneurisation, l'évaluation des politiques de conteneurisation. Et le deuxième point, qui est, il me semble important, c'est la redevance spéciale. Voilà. Pourquoi une redevance spéciale? C'est qu'aujourd'hui, on doit appliquer le principe de pollueur-payeur pour que chacun agisse sur la réduction des déchets. La redevance spéciale, c'est, comme son nom l'indique, c'est une redevance que chaque gros producteur de déchets
devra payer pour éliminer ses déchets. Il ne sera pas obligé de les faire avec la collectivité publique, il peut très bien le faire avec une collectivité, avec un privé, hein, avec un collecteur privé, mais avec un coût. C'est-à-dire que, comme la prison qui produit un camion de déchets par jour, hein, aura le choix ou de continuer à travailler avec l'agglomération mais sera facturée, ou de travailler avec un privé et sera également facturée. Voilà. Et on pense que ça participera également à la réduction des déchets. La GEO, ça va être un volume. Voilà. On doit, nous, déterminer, élus, quel est le volume à partir du moment où la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne joue plus son rôle et où il faut passer à la redevance. C'est-à-dire que concrètement, pardon, un bac jusqu'à 600 litres, on pourrait considérer, ou 1000 litres, je ne sais pas, hein, on n'a pas encore décidé, mais sur une certaine contenance, on pourrait estimer que la taxe joue pleinement son rôle, et au-delà, eh ben, on doit mettre en place la redevance incitative. Vous le déciderez quand ? La redevance spéciale, pardon. On a tout 2015 pour pouvoir le réfléchir, en discuter avec nos partenaires, hein, que sont les chambres consulaires, avertir et discuter avec les administrations, hein, parce que pour une administration, ça a des coûts financiers quand même qui sont importants. Hein, je pense aux hôpitaux, prisons, préfectures, même aux mairies. Hein, il y a des mairies qui pourraient être concernées par cette redevance spéciale qui aujourd'hui ne paye aucune taxe. C'est vraiment dans l'organisation des tournées, comme je vous l'ai dit, quand on change une tournée, il y a forcément un effet domino sur l'ensemble des tournées. Et de plus, quand en conteneur, un conteneur, on met 7 secondes pour lever un conteneur, donc ça va prendre un peu plus de temps au reaper pour collecter. Donc c'est effectivement, ça va avoir un impact sur la collecte des ordures ménagères. On s'est rendu compte justement suite aux difficultés qu'on a rencontrées lors de cette première phase. On a dit attention, lors de la deuxième phase, on doit faire un travail en amont où on doit préparer, aller vers les élus qui ont une vraie proximité avec leurs habitants pour préparer le terrain, pour leur permettre de savoir comment on peut optimiser au mieux cette conteneurisation sans avoir des coûts excessifs non plus. Bon, je suis nouveau vice-président en charge, mais je crois que le service était estimé à 12,6 millions. Et aujourd'hui, et là j'inclus l'achat effectivement des camions comme celui-ci, on est plus près des 15 millions d'euros en termes d'investissement. Voilà. Mais effectivement, on doit essayer de coller un peu plus sur un budget qui soit plus cohérent et surtout pour éviter d'augmenter les coûts de taxes. Voilà. Et ça, je pense que nos concitoyens aujourd'hui font très attention à ça. La redevance spéciale, normalement, est obligatoire depuis 1992. Voilà. Et aujourd'hui, elle n'avait jamais encore été mise en place sur l'agglomération. Mais cela vient aussi de son historique où on a commencé à 28 communes. Et puis aujourd'hui on est à 44 et en plus où on a perdu un opérateur privé qui était submergé en 2012. Donc chaque année il y avait de nouveaux éléments et qui étaient difficiles à mettre en place. Alors qu'aujourd'hui on maîtrise l'ensemble de la collecte et du traitement des déchets, donc ça sera effectivement plus simple à mettre en place. Vous êtes fixé des objectifs sur cette conteneurisation ? La conteneurisation, elle doit repartir plein pot en 2016 avec la meilleure efficacité possible. C'est-à-dire que certains quartiers se verront sûrement avec plus de points d'apport volontaires que de conteneurs et des quartiers qui sont peut-être plus ruraux se verront avec vraiment des conteneurs individuels. Alors pour le Val-Saint-Pierre, il va y avoir un changement de modalité de ramassage ? Non, pour l'instant non, parce qu'on n'a pas décidé. Mais c'est l'idée est certainement sur le Val-Saint-Pierre, et on doit rencontrer les maires du Val-Saint-Pierre, enfin les maires de l'ex-Val-Saint-Pierre, où effectivement on doit discuter de cette redevance incitative qui fonctionne. C'est un paradoxe, ça fonctionne très bien en campagne, hein, où les gens font attention, où les gens font du compost, tri, etc., mais qui fonctionne moins dans des secteurs beaucoup plus urbains. Donc la problématique de la loi, c'est qu'elle n'autorise qu'une seule méthode. Alors les gens qui ont investi justement dans des cadenas, dans des poubelles, des choses comme ça, ils vont se retrouver à avoir des outils qui ne servent plus à rien. Bah si, je pense que l'outil servira toujours, puisque on pourra changer les couvercles et pucer les conteneurs pour savoir encore combien il y a de levée sur chaque commune. Mais ils ne payeront plus au poids. Bah si la redevance incitative est supprimée, non, ils payeront plus au poids et ça sera la taxe. Avec 600 000 visites par an et 40 000 tonnes de déchets réceptionnés, les 9 déchetteries de l'agglomération
exploitées par Aganis rendent un service appréciable à tous, largement utilisé et reconnu. Un programme de modernisation de ces déchetteries a été initié en 2013. Avec l'extension de la déchetterie de Marly, le chantier d'un montant de 1,1 million d'euros a été cofinancé par Metz Métropole, 75%, Aganis et l'ADEME. Des déchetteries véritablement adaptées aux particuliers. Du côté des professionnels, comme nous l'indique Marciedel, président du conseil d'administration d'Aganis et maire de Coin-sur-Seille, le centre Actipol de Metz-Borny y est plus adapté. Oui, effectivement, tous les artisans de l'agglomération peuvent se rendre ici, sur ce site dit de la PAVD. C'est un point d'apport réservé aux professionnels. Nous sommes ici sur Borny. C'est un point qui est réservé aux professionnels qui pourront donc déverser sans avoir à le trier. C'est nous qui mènerons ces opérations. Ils pourront déverser en tribène, en camion verseur. La circulation est facilitée. Le paiement se fera au poids et non pas au forfait. Donc ce sera une facturation juste. Et surtout, et ça c'est important pour les entreprises, ça va très vite. Alors, que sur les déchetteries réservées aux particuliers, ils perdent un temps fou. Et pour l'entreprise, le temps, c'est de l'argent. La réduction des déchets à la source est une priorité dans la gestion des déchets. Elle permet de prévenir le gaspillage, de favoriser la réutilisation et le réemploi au maximum, le recyclage, la valorisation matière et la valorisation énergétique des déchets non recyclés. Un enjeu qui est aussi l'enjeu de chaque citoyen.